Avec le point de fixation créé derrière le ballon qui peut en sortir avec Taylor, la croisée. Ouh, l'énorme plaquage de Tufua qui est venu désinguer Vatoubois, le 3 quarts centre. Ce ballon qui peut en sortir malgré tout avec les appuis de Fumat. Fumat qui laisse échapper ce ballon, attention, on est venu botter dedans. Arrêt du temps. Et il va y avoir un appel à la vidéo. Eric, je voudrais qu'on regarde la dernière phase de plaquage du noir. J'ai pas le numéro, savoir s'il est de manière légale ou pas. J'ai un doute que ce ne soit pas l'épaule qui frappe en premier, s'il te plaît. Vidéo. J'ai pas le numéro, hein. Et appel à la vidéo pour ce plaquage appuyé de Tuifoy. Il est allé de bon cœur. Oui, mais ça a l'air d'être au niveau des épaules. C'est juste au niveau des épaules. Et il entoure le plaqué, a priori. Il en serre avec ses bras. Ça, on voit pas sur ce ralenti-là. C'est impressionnant, mais ça m'a l'air légal. Ouais. Ok, Eric, pour moi, il y a de la vitesse. C'est l'épaule qui frappe en premier. Donc je vais mettre pénalité et carton jaune. C'est le 8 noir, hein, c'est ça? Ouais. C'est l'épaule qui rentre en premier en contact, si on vient de le vérifier. Ils sont face à face. Ils viennent de le vérifier. Il y a de la vitesse. 8. Carton jaune très sévère pour Tufoy.